Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite du Professeur Layton avec ce troisième épisode. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. J'ai pas encore utilisé de pièces SOS, donc on va dire qu'on est pas trop mal. Et on s'était laissé sur un meurtre. Vite, vite, allons le résoudre. Que s'est-il passé ? Au salon du manoir. Précédemment. Luke et le professeur parviennent à se rendre au manoir Reinhold où ils rencontrent la baronne. Avant même qu'ils commencent à discuter, un grand bruit résonne et effraie le chat de la baronne. Épouvantée, la baronne exige que le professeur et Luke recherchent le chat en fuite, sa chère Claudia. Oh, Claudia. Et ensuite, il y a eu un meurtre. Donc, il me semble que c'était Rupert qui s'appelait. Alors, est-ce que j'avais regardé s'il y avait des pièces SOS ? Il me semble que oui. Donc, est-ce qu'on part tout de suite au professeur Chalmette ? Peut-être pas. Allons voir Gordon. Vous vous rendez compte ? Un meurtre dans cette maison ! Cela me fait froid dans le dos. Vous êtes détective, non ? Dépêchez-vous donc de trouver le coupable. Je n'ai rien d'un détective, cher monsieur. Votre inquiétude n'est cependant pas sans fondement. Personne ne sera tranquille tant que ce meurtrier sera en liberté. C'est bien mon avis. J'avoue ne pas comprendre. Rupert pouvait se montrer désagréable, mais il n'avait pas d'ennemis. Si le meurtrier cherche la fortune de mon frère, je pourrais bien être sa prochaine victime. Votre raisonnement est intéressant. Si nous considérons uniquement l'argent comme mobile, le nombre de suspects se réduit sensiblement. Mais vous n'essayez quand même pas de dire que moi, je pourrais être le coupable. Sachez que Rupert et moi nous entendions très bien, mais il n'était pas très proche d'Augustus. Vous savez, toutes ces histoires de famille me rappellent une énigme que j'ai entendue il y a longtemps. Chamaillerie. Ah bah oui, on est totalement dedans là. Six frères se réunissent autour d'une table pour le dîner. Chaque garçon est prompt à se battre avec ceux de ses frères qui sont directement au-dessus et en dessous de lui en termes d'âge, et donc ne peut pas être placé à côté d'eux pour le dîner. En outre, les frères 3 et 5 se sont disputés l'autre jour et refusent d'être assis l'un à côté de l'autre. Le frère aîné, symbolisé par le chiffre 1, est déjà installé à table et attend les autres pour commencer à manger. Saurez-vous placer les frères autour de la table de manière à éviter toute bataille de purée ? Oh, on ne joue pas avec la nourriture, voyons ! Qu'est-ce que cela veut dire ? Alors, chaque garçon est prompt à se battre avec ceux de ses frères qui sont directement au-dessus et en dessous de lui en termes d'âge. Donc ça veut dire que 2 ne peut pas aller à côté de 1, 3 ne peut pas aller à côté de 2, et alors attends, en outre, les frères 3 et 5 se sont disputés l'autre jour et refusent d'être assis l'un à côté de l'autre. Ok, donc si on fait... Ah bah non. Ah. Ici, on fait comme ça. 3 et 5, ils sont pas à côté. 1 n'est pas à côté de 2 et 6. 2 n'est pas à côté de 1 et 3. 3 n'est pas à côté de 2 et 4. 4 n'est pas à côté de 3 et 5. 5 n'est pas à côté de 4 et 6. Et 6 n'est pas à côté de 5. Et dans le doute, pas à côté de 1. Essayons. Correct.
scientist saves the day. Beau travail! Placez des garçons comme le montre l'image ci-dessus et le dîner devrait se dérouler sans aucun problème. L'image en miroir de cet exemple serait également une solution acceptable. Bon appétit, bien sûr. Voilà donc la réponse. Merci d'avoir résolu cette énigme. Mais cela ne nous dit pas qui a tué Rupert. Je vous assure que je n'ai rien à voir avec ce meurtre. Vous devez absolument trouver l'assassin. Bien sûr. Je comprends votre position. En fait, je fais partie des suspects, moi aussi. Toutefois, je verrai ce que je peux découvrir au sujet de ce meurtre. Et une nouvelle petite bricole s'ajoute à l'inventaire. Est-ce que Matthew a d'autres choses à nous dire avant d'aller voir l'inspecteur ? Je ferai tout mon possible pour vous aider dans votre enquête, monsieur. N'hésitez pas à me demander quoi que ce soit. Merci, Matthew. Eh bien, discutons avec l'inspecteur. Toutes ces personnes présentes au moment du crime sont-elles dans cette pièce ? Pardonnez-moi, monsieur, mais Ramon était également présent. Il devrait être ici, lui aussi. Ramon ? Où peut-il être ? Et que peut-il bien faire ? Matthew, allez immédiatement le chercher ! Pour être honnête, madame, je ne crois pas avoir vu Ramon depuis plusieurs heures. Comment ? Ne me dites pas que nous avons une autre victime ! Non, un instant, il fait partie des suspects. Il essaye peut-être d'échapper à la justice. Où peut-il bien être ? Et s'il avait été tué, lui aussi ? Très bien, allons voir si on peut trouver Ramon. Un instant, Luc. Qu'y a-t-il, professeur ? Je dois m'entretenir un instant avec la baronne. Ce ne sera pas long. Professeur, attention ! Ne nous dites pas tout. D'accord. Ce qui veut dire qu'on ne peut pas partir. On parle à Gordon. Pauvre Rupert, assassiné ici même. Je suis absolument terrorisé. Par pitié, trouvez ce meurtrier. Hé, où est donc la baronne ? Madame s'est retirée dans sa chambre pour se reposer. Madame est forte, mais il est normal qu'elle ait besoin de calme après ces événements. Je vois. Pouvez-vous lui faire savoir que j'aimerais discuter d'une petite chose avec elle ? Bien sûr, monsieur. Attendez ici, je vous prie. Cette journée a été très éprouvante. La preuve ? Même la baronne s'en montre perturbée, elle qui est si froide d'habitude. Voyons, Luc, si tu veux devenir un parfait gentleman, tu dois faire montre d'un peu plus de tact. Oh, bien sûr, professeur, toutes mes excuses, j'ai eu tort de dire ça. Madame est prête à vous recevoir. Prenez cette porte sur votre gauche, je vous prie. En plus, on va la voir dans sa chambre. C'était juste là. Alors, qu'est-ce que vous cachez dans votre chambre ? Une petite pièce SOS. Par hasard, un vase. Il n'y a rien d'autre. Il y a une photo derrière vous. Madame, j'ai l'impression que le meurtre de Rupert n'est pas sans rapport avec la pomme d'or. Comment ? Il est trop tôt pour affirmer quoi que ce soit.
mais il est tout à fait probable qu'il y ait un lien. Et vous pensez que Ramon a quelque chose à voir avec tout ça ? C'est une possibilité. Nous manquons toutefois d'informations et ne pouvons pas encore tirer de conclusions. Je vois. Professeur, j'ai quelque chose à vous demander. Vous devez trouver Ramon et le ramener ici. Je ne supporte pas d'être considéré comme suspecte dans cette odieuse affaire de meurtre. Aidez-moi à prouver mon innocence au plus vite. Comme il vous plaira, madame, nous allons nous renseigner au village et tenter de trouver Ramon. J'apprécie beaucoup votre aide, professeur. Bien. J'attendrai la bonne nouvelle dans le salon. Chapitre 3. Employé manquant. Trouver les indices sur la disparition de Ramone. Ramone, Ramone, Ramone. Il sauvegarde. Alors, qu'est-ce que vous cachiez dans votre dôme ? Ah. Regarde cette photo. Qu'y a-t-il, professeur ? Oh, c'est la baronne ? Elle porte un petit bébé ? Ce bébé ne peut être que la fille du baron. Elle s'appelle Flora, je crois. Eh bien, c'était vraiment un beau bébé. La baronne n'a pas beaucoup changé, pas vrai, professeur ? Tu connais le dicton, Luc ? La beauté n'a pas d'âge. Quel charreau, ce professeur. Si vous le dites, professeur. Mais cette photo m'intrigue. On devrait en parler à la baronne. C'est pas faux. Ah, une petite pièce SOS encore ? Très bien. Eh ben, il y en avait encore une ici. Eh ben, dis donc, la baronne. Ah, Chalmé est de retour. Discutons avec la baronne. Pardon, madame. Nous avons vu cette superbe photo de vous et votre fille et... Mais enfin, de quoi parlez-vous ? Cette photo de vous et du bébé, dans l'autre pièce. Vous devez vous tromper. Je n'ai jamais eu d'enfant. Comment ? Toutes mes excuses, madame. J'ai dû me tromper. Dois-je vous rappeler que nous n'avons pas le temps à perdre, professeur ? Allez chercher Ramon et le ramener ici. Voulez-vous ? Si ce n'est pas la baronne sur cette photo, qui c'est là peut-il bien être ? Nous devrions interroger le majordome à ce sujet. Il pourra certainement nous éclairer. Est-ce que l'inspecteur a quelque chose pour nous ? Au fait, Letton, je crois que vous êtes amateur de bonnes énigmes. Cette énigme était populaire à Londres il y a peu. Je me demande si vous saurez la résoudre. Une énigme de la ville. Suspect habituel. 5 suspects sont interrogés par la police. Voici ce qu'ils ont à dire. Ah, l'un d'entre nous est en train de mentir. B. Parmi nous 5, seules 2 personnes sont en train de mentir. C. Je connais bien ces types, je peux vous assurer qu'il y a 3 menteurs, pas plus. D. Ne les écoutez pas, parmi nous, 4 personnes sont en train de mentir. E. Nous sommes tous de fiéfés menteurs. La police souhaite relâcher ceux qui disent la vérité. Combien de personnes doit-elle laisser partir ? Alors,
Il y a trois menteurs, pas plus. Ne les écoutez pas. Parmi nous, quatre personnes sont en train de mentir. Donc, la E. Si elle dit la vérité, que tout le monde est des menteurs, ça veut dire qu'elle ment. Donc la E est une menteuse. Le D, ne les écoutez pas, parmi nous, quatre personnes sont en train de mentir. C'est possible. C, je connais bien ces types, je peux vous assurer qu'il y a trois menteurs, pas plus. Mais alors, s'il y a, donc ça, c'est C qui nous dit ça. S'il y a trois menteurs, il y a forcément E. A et B. Ah oui, on peut relâcher C et D. Non, parce que D, il dit qu'il y en a 4, donc il ne serait pas un menteur, vu que lui dit qu'il y en a 3. Je pense que... l'un d'entre nous est en train de mentir. Alors... donc voilà, ceux qui disent la vérité, moi je dirais qu'il n'y a que D qui dit la vérité. E dit qu'il y a 5 menteurs. A few moments later. Alors vu qu'ils disent tous des choses différentes, ça veut dire que potentiellement il y en a soit... il n'y en a que un qui dit la vérité. Parce que c'est soit ils sont tous des menteurs, soit il y en a 4, soit il y en a 3, soit il y en a 2, soit il y en a 1. Donc il y a force, il n'y a qu'une seule personne qui peut être considérée comme ne ment pas. On va essayer 1. Look, here's my answer. Ouf. Oui, en fait, c'était logique, vu qu'ils disent chacun des choses différentes, il n'y en a que un qui peut avoir raison. Mais lequel, par contre, on ne sait pas. Enfin, je crois, on va voir. Bonne réponse. Chaque suspect accusait un nombre différent de personnes, contredisant ainsi les autres. Il ne pouvait donc y avoir qu'une seule personne à dire la vérité. Le seul suspect dont la déclaration colle à la réalité est D. Le voilà libre comme l'air. Très bien. Je vois. Je suppose que j'aurais dû vous soumettre une énigme plus difficile. Bon, s'il vous plaît. Vous feriez mieux d'utiliser votre cerveau de petit génie pour trouver ce fameux trésor. Tiens, vous êtes au courant du trésor, inspecteur. Eh bien, allons voir Matthew. Matthew, qu'est-ce donc que tout cela ? Ah, Matthew, vous avez un instant ? Bien sûr, monsieur. Que puis-je faire pour vous ? Je voudrais vous parler de cette photo que nous avons remarquée là-haut. Celle où l'on peut voir la baronne porter un bébé. Ah, oui. Vous avez vu cette vieille photo. Ce n'est pas une photo de madame, mais de la défunte femme du baron. Violette Reinhold. Votre méprise est parfaitement compréhensible, monsieur. Elles se ressemblent énormément, tant physiquement que dans leur attitude. Alors, ce n'est pas Dahlia Reinhold que l'on voit sur la photo, mais la précédente femme du baron ? Eh bien, vous vous rendez compte ? Trouver un parfait sosie comme ça, c'est impossible ! Peut-être était-elle de la même famille. Pas que je sache, monsieur. L'arrivée de madame a été soudaine. Un jour, le baron est rentré au manoir avec une femme à ses côtés, et madame s'est installée ici. Voilà tout ce que je sais à ce sujet. Merci, Matthew. Vous nous avez été d'une aide précieuse. Comme c'est étrange. Décidément, cette affaire se révèle de plus en plus singulière.
nouveau mystère à résoudre. Ah. Il y a une bibliothèque sur chaque mur de ce manoir, on dirait. Le baron devait être féru de lecture. À propos, Luc, veux-tu essayer de résoudre cette énigme ? Équation mystère. A, B, C et D sont des nombres à un chiffre. Les équations suivantes sont toutes vraies. Trouvez les chiffres représentés par chaque lettre. La réponse devra comporter les quatre chiffres dans l'ordre A, B, C et D. Ok. Donc A fois 4 égale D. Donc A est forcément égal à 1 ou 2, parce que 3 fois 4 ça fait 12, donc il y aurait deux chiffres. Ça ne peut pas être 0, parce que sinon A et D sont égales à 0 également. Ah, peut-être. Mais partons du postulat que A égale 1. Non, parce que ça voudrait dire que D égale 4. Ouais, mais c'est possible. On va se dire alors que c'est 2. Non, c'est possible. Donc A égale 1 et D égale 4. Ce qui veut dire que... On va noter. A égale 1. Du coup, D égale 4. Ce qui fait que A plus C égale D. Donc C est égal à 3. 3 moins B égale B. 3 moins B égale B, donc là ça fonctionnerait pas parce que 3... Non, il faut absolument que C soit un chiffre pair. Donc, essayons avec A égale 2. Donc 2 fois 4, D égale 8. A plus C égale D, donc C égale 6. Et B égale 3, parce que 6 moins 3 égale 3. Donc 2, 3, 6, 8. 2, 3, 6. Non. Ah. Attendre. On peut pas... Ah si, on efface que le dernier. Donc 2, 3, 6... Et 8. Oh, suspense. Ok, ça passe. Correct. Bonne réponse. ABCD est égal à 2368. Étant donné que A plus C et que A fois 4 sont tous les deux égaux à D, alors C doit être égal à 3A. Si C moins B égale B, alors C doit être égal à 2B. Le seul chiffre divisible à la fois par 2 et par 3 est 6. Une fois que l'on sait que C égale 6, le reste doit couler de source. Ok, donc moi j'ai fait plutôt par déduction, par élimination, mais il y avait une méthode où il n'y avait qu'une seule réponse possible. Qu'as-tu pensé de cette énigme, Luc ? J'espère que tu te sens prêt pour des énigmes plus complexes. Bien évidemment, professeur. Tout de même. Ah, il y avait aussi une pièce SOS. Une autre ici. Et donc ? Pour l'instant, on n'en a toujours pas utilisé. C'est pas mal, hein. On est pas mal. Claudia ? Que tenez-vous dans la bouche, ma chère ? Oh ! Mais ce sont les lunettes de Ramon ? Hein ? Miaou ! Mais ! Ce sont les rumes... Ah bah oui, non, c'est pas Ramon. Ce sont les lunettes de Rupert. Je me demande comment elles sont arrivées ici. Elle pourrait constituer un indice important pour l'enquête.
Je pense que nous devrions les remettre à l'inspecteur Chalmet. Que voulez-vous, Letton ? Inspecteur, regardez ce que nous avons découvert. Ces lunettes appartenaient à Rupert. Nous les avons trouvées dehors, dans le jardin. Que ? Comment ? Bah, elles sont sûrement tombées quand le corps a été transporté hors du village. Je vois que vous avez du temps à perdre pour gérer le bureau des objets trouvés du village. Vous feriez mieux de vous occuper de ce qui vous regarde. Comme de l'héritage des Reinhold, par exemple. Letton, ceci est un avertissement. Cessez de faire obstruction à mon enquête ou je saurai vous faire regretter. Très bien, inspecteur. Veuillez accepter mes excuses. Je n'aime pas du tout cet inspecteur Chalmet. Ce n'est qu'un prétentieux qui empeste le tabac. En plus, il est odieux avec vous, professeur. Huck, mon garçon, ce n'est rien. Pour l'heure, nous avons d'autres priorités. Allons au village et essayons de retrouver Ramon. Mais la vieille dame qui nous a donné du poisson, comment allez-vous ? Tiens donc, regardez qui voilà ! Qu'est-ce que vous voulez ? Désolé de vous déranger, nous cherchons Ramon. Est-il passé par ici aujourd'hui ? Non, je ne l'ai pas vu de la journée. Et pourtant, j'aurais pu. Il ne rate pas une occasion de quitter son poste. Assez parlé de lui. Je crois que vous vous y connaissez en énigme. Je voudrais que vous m'aidiez à résoudre cette énigme qui me pose problème. Et mon mal de dos aussi, mais bon. On va commencer par l'énigme. Maintenant ? C'est-à-dire que nous sommes assez occupés et... Enfin, si vous insistez. Bien sûr que j'insiste, jeune homme. D'un seul trait. Est-ce que vous connaissez les dessins en un seul trait ? Le principe est que, une fois votre crayon en contact avec la feuille, vous ne pouvez plus le relever. Vous n'avez pas le droit de passer deux fois au même endroit, mais vous pouvez croiser le tracé. En suivant ce principe, regardez les quatre dessins ci-dessous. L'un d'entre eux ne peut pas être effectué en un seul trait. Lequel est-ce ? Alors, là non plus. Est-ce que la voiture... Ah si, attendez, la voiture, si on fait comme ça, comme ça. Et là, on fait le même principe. Si la voiture, on peut la faire en un trait. La cible ici, on peut la faire en un trait de cette manière-là. Hop. 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 Et hop. Ok, donc ça se joue... entre l'espèce de cerf-volant ou la maison. Est-ce que ça peut être fait en un trait ? Hop, hop, hop. Oui, ça a l'air de pouvoir être fait en un trait, donc a priori c'est la maison. Voyons voir. Correct. Critical thinking is the key to success. Bonne réponse. Il existe une méthode pour savoir très facilement si un dessin a été tracé suivant ce procédé. Elle vous sera révélée lorsque vous aurez résolu la prochaine énigme de ce type. Mm-hmm.
Excellent. Cette énigme me tourmentait depuis des mois. Écoute un peu, mon garçon. J'ai une horrible vision. Je t'ai vu avoir de gros ennuis cette nuit. Mais attention à toi, tu veux. Eh bien, merci pour ces bonnes nouvelles. Mais ne vous en faites pas trop pour moi. Il en faut beaucoup pour me faire peur. Et une nouvelle petite bricole. Bah, qu'on aille voir un moment les petites bricoles, là, on commence à en avoir pas mal. Hein ? Regardez, professeur, la coque de cette barque est trouée. Au fait, vous connaissez l'énigme du naufrage ? Alors, on enchaîne bien les énigmes. C'est d'ailleurs pour ça qu'on est là. Naufrage. Au secours, 15 personnes sont piégées sur un navire en train de sombrer. Ah, mais c'est Titanic. Le bateau va couler dans très exactement 20 minutes. Leur seule chance de survie est le canot de sauvetage qui ne peut prendre que 5 personnes à son bord. Histoire d'arranger les choses, les eaux sont infestées par de dangereux requins mangeurs d'hommes. Oh. Nager est donc hors de question. Un aller-retour en direction de l'île la plus proche prend environ 9 minutes. Combien de personnes pourront être sauvées ? Alors il me semblait que les requins ne mangeaient pas les hommes. Alors est-ce qu'on peut prendre cette affirmation qu'il y a des requins mangeurs d'hommes comme étant vrai ? On va dire que oui, on va faire confiance à l'énoncé. Un aller-retour en direction de l'île la plus proche prend environ 9 minutes. Combien de personnes pourront être sauvées ? Alors on en met 5, on les amène. On ramène le bateau. Donc on en laisse 4 là-bas, il faut qu'il y ait rien dans la barque pour ramener le bateau. Donc un aller-retour sur l'île la plus proche prend environ... En plus, il dit environ, c'est un petit peu fou quand même. Environ 9 minutes. Donc ça voudrait dire qu'on met 4 minutes 30 pour y aller. Et on a combien en nave ? On a 20 minutes. Donc on fait un aller sur l'île. On repart de l'île, on va chercher les gens. On repart dans ce sens-là. On retourne chercher les gens. Donc ici c'est 4 minutes 30. Pour venir là, donc là on est à 9 minutes. Ici on est à 18 minutes. Donc ici on a laissé 4 personnes sur l'île, là on en a laissé 4 autres, on en est à 8 et on revient à 5. 5 et 8, 13. Personnes sont piégées sur un navire en train de s'envoler. On dirait que la réponse est 13. Et là, si on revient le coup d'après, on a 27 minutes. Tentons le 13. Eh oui, je pense que le piège était sur le fait qu'il fallait penser à avoir quelqu'un qui ramène le bateau et que les 5 n'étaient pas mis sur l'île. Bonne réponse, une minute de silence pour les deux malheureux qui ne s'en sont pas sortis. Tout à fait. Alors on en amène 5, on en garde un sur le bateau, on en ramène 5 et on en enlève un sur le bateau et ensuite
On ramène les 5 sur l'île. Ok. Il y avait donc des requins mangeurs d'hommes. Waouh ! Excellent, professeur ! Il m'a fallu 3 fois plus de temps pour trouver ! Ce n'est pas au vieux professeur qu'on apprend à résoudre des énigmes. Alors, est-ce qu'on peut rentrer maintenant ? On va redemander à ce monsieur. Hé, vous deux ! Qu'est-ce que vous cherchez cette fois ? Allez, dites-moi. Ah ah, j'ai compris. Inutile de m'expliquer. J'ai tout compris. Vous cherchez quelqu'un, non ? Et vous glanez des informations dans la rue, c'est ça ? Eh bien, je suis désolé, mais je n'ai pas vu votre homme. Vous êtes sûr de ne pas pouvoir nous aider ? Vous n'avez rien vu ou entendu d'intéressant ? Non, non et non. Je n'ai rien pour vous. Inutile d'insister. Allez, du vent. Je vois. Bien. Dans ce cas, nous partons. Merci quand même. Ouais, c'est ça. Bonne chance. Vous en aurez besoin. Ouais, vous en aurez besoin. Mais attention, vous ne devez pas vous approcher de la tour au nord du village. Restez loin de la tour. La tour au nord du village ? On ne sait même pas comment faire pour aller au nord du village. Tu te souviens de cette tour de l'horloge sur la grande place ? Je pense que nous devons traverser cette tour pour atteindre le nord du village. Allons voir ça. Et ici, est-ce qu'on trouve quelque chose de nouveau ? Luc, regarde cette bougie. Elle me rappelle une énigme. Voyons si tu la connais. J'espère que c'est pas l'énigme que vous m'avez posée la dernière fois, professeur. Hein ? Allumez le feu. Pardon. Il ne vous reste plus qu'une allumette. Vous voulez allumer la lampe à huile afin d'y voir plus clair. Démarrez le feu dans la cheminée et allumez le chauffe-eau pour prendre un bon bain chaud. Lequel de ces objets devez-vous allumer en premier ? Alors, quoi ? Démarrer le feu dans la cheminée. Alors, vous voulez allumer la lampe à huile afin d'y voir plus clair. Démarrer le feu dans la cheminée et allumer le chauffe-eau pour prendre un bon bain. Lequel de ces objets devez-vous allumer en premier ? Ah oui ! Eh bien tout à fait, celui qu'on doit allumer en premier pour pouvoir allumer soit la cheminée, soit la lampe à huile, c'est l'allumette. Bien sûr ! Correct ! Bonne réponse ! La première chose que vous devez allumer, c'est l'allumette. Sans flamme, comment pourriez-vous vous occuper de la lampe, de la cheminée ou du chauffe-eau ? Bah oui. Excellent travail, Luc. C'est la bonne réponse. Le magasin semble vide pour le moment. Inutile de rester ici. Lit en pain massif. À qui donner cet objet ? Un lit en pain massif, mais c'est pour le professeur. Alors, inutile de rester ici, on ne sait jamais. Une petite pièce SOS pourrait se cacher parmi tous ces objets. Non, ça n'a pas l'air d'être le cas. Très bien, continuons. Il faut aussi qu'on s'arrête chez Mamie Mystère, parce qu'on avait oublié une énigme lors du dernier chapitre. Professeur, je crois que c'est la tour de l'horloge dont vous parliez, non ? Oui, mon garçon. Tiens, il y a quelqu'un devant l'entrée. C'est Max. Alors, donc on va d'abord aller chez Mamie Mystère et après je sais pas si on irait pas visiter un peu le reste du village pour voir s'il n'y a pas d'autres énigmes dans ce chapitre avant d'aller voir Max. Regardez, il y a une énigme incrustée dans cette porte. C'est drôle, j'aurais juré qu'elle n'était pas là il y a une minute.
Fascinant. Cette énigme semble servir de serrure à cette porte. Extraordinaire. Luc, mon garçon, tu veux bien te charger de cette énigme ? La porte va probablement s'ouvrir si tu réussis. Abracadabra. Ou alors Sésame, ouvre-toi. Boule perdue. Serait-ce ces fameux taquins ? Arriverez-vous à sortir la boule rouge ? Faites glisser les blocs pour libérer le passage. Ce problème peut être résolu en 12 déplacements. Donc nous, on va le faire au moins en 120 déplacements. Très bien, ben on va voir. Et si c'est un peu long, et ben on passera tout ça en accéléré. Déplacez les blocs à l'aide du stylet. Vous pouvez déplacer la boule rouge de la même manière, glisser dans le trou en déplaçant les blocs. Ok. Alors... Dis donc, pas mal. Et pas mal du tout finalement. Bon, c'était la première, donc c'était la version facile, je pense. Ne soyons quand même pas trop contents. Beau travail. Tous ces blocs n'ont pas facilité la tâche. Oui, mais qui c'est qui les a mis là en même temps? Excellent. Maintenant, nous devrions pouvoir ouvrir cette porte. Ah, et bien voilà mamie. Mamie mystère. Mamie. Bonjour à vous. Une énigme vous pose des problèmes? Eh bien, vous êtes au bon endroit. Bienvenue à la réserve d'énigmes de mamie mystère. Mamie mystère? Pouvons-nous trouver cette personne? Mais enfin, mon garçon, tu es justement en train de lui parler. Pas étonnant que vous ayez du mal à résoudre les énigmes. Enfin, je suis la magnifique et l'extra lucide Mamie Mystère, spécialiste des énigmes oubliées. Magnifique et extra lucide? Professeur, je ne comprends pas un mot de ce qu'elle dit. Allons, Luc, laisse-moi lui parler. Désolé de vous demander cela, madame. Mais qu'entendez-vous par extra-lucide? Êtes-vous capable, par exemple, de retrouver des objets disparus ou lire l'avenir? N'importe quelle voyante de seconde zone sait faire ça. À quoi bon prédire l'avenir? Ma spécialité, ce sont les énigmes. Les énigmes oubliées. Comme les énigmes non découvertes. Je suis sûr que vous voyez de quoi je parle, non? Allons, cela arrive même au meilleur. Vous voyez ces pauvres énigmes à côté desquelles vous êtes passé? Eh bien, je m'occupe d'elles, je les invite à rester avec moi. Waouh! Alors toutes ces énigmes que nous avons oubliées, vous les avez ici? Pas exactement. En fait, je conserve les énigmes qui n'ont plus leur place à Saint-Mystère. Comprends-tu enfin en... Quoi, je suis unique, mon garçon. Allons, maintenant, allez voir dans la réserve derrière moi. À l'intérieur, vous trouverez des bocaux, et chacun contiendra une énigme oubliée. Je suis sûr que vous trouverez tout ce dont vous avez besoin dans ma petite collection. Très bien. Oh, vous cachez quand même des pièces SOS, hein, dans votre balai, certainement. Non? Non, dans la lumière, non. Très bien, allons-y. Et voilà l'énigme 23 qu'on avait loupée la dernière fois. Voir l'énigme 23, problème juteux. Vous disposez de 3 récipients. Le premier contient 8 litres de jus. Les deux autres sont vides et peuvent contenir respectivement jusqu'à 5 et 3 litres. Ces récipients ne sont pas gradués. Votre but est de diviser en 2 les 8 litres de jus de manière exacte. Vous devez vous retrouver avec 4 litres dans le récipient de 8 litres et 4 autres litres dans le récipient de 5 litres.
Très bien, donc c'est une énigme. Toucher un récipient pour le soulever, pour le vider, toucher le récipient dans lequel verser le liquide. Ok, c'est une énigme à la Die Hard. Alors, si on fait ça... 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 Non, c'était pas ça. C'était pas ça. Viens là, toi. Reviens là, toi, recommençons. On fait ça, 5. Hop, ici on en a 2. Là, là. Ensuite là. Là et là. Je pense que j'ai dû faire trop de coups par rapport à ce qui devrait. Mais bon, ça va, on s'en est pas trop mal tiré. Beau travail. Avec suffisamment de persévérance, vous finirez forcément par y arriver. Toutefois, la solution est la plus courte requiert 7 opérations. Ce type de problème est vieux comme le monde. On en retrouve dans des écrits vieux de plusieurs siècles. D'accord. Vous obtenez une petite bricole. Eh bien très bien, il n'y a plus d'énigmes dans la réserve de Mamie Mystère, nous pouvons y aller tranquillement. Alors, on va revenir, allons voir à la mairie si des fois ce cher monsieur a une énigme pour nous. Ou un formulaire. J'ai entendu dire que vous meniez une enquête à Saint-Mystère. Vous avez l'autorisation pour de la poursuivre, mais ne vous approchez pas de la tour. Cet endroit est une source de malheur pour le village, alors veuillez garder vos distances. Ils ne veulent vraiment pas qu'on aille à la tour. Ah bah ici il n'y a personne, c'est au moins on est tranquille. La porte est fermée. On va voir Béa à l'hôtel, peut-être quelque chose pour nous. Bonjour! J'ai une énigme plutôt difficile sur les bras. Pouvez-vous m'aider? Très bien. On a un coup de balai, et en plus, il faut faire le ménage. Les allumettes ci-dessous représentent une pelle à poussière près d'un tas de saleté. En ne déplaçant que 2 allumettes, êtes-vous capable d'arranger le dessin pour que les saletés se trouvent dans la pelle? En ne déplaçant que 2 allumettes. Comme ça. Je vais la tourner pour que ça soit plus. Ouais. On va essayer de la mettre à la même hauteur que l'autre. Je dirais que c'est comme ça. Non. Si. Non. There we go. Oui, non, oui, non. Oui! Correct. Every puzzle has an answer. Bonne réponse. N'oubliez pas de faire le ménage de temps en temps. Tout à fait. On n'a pas le choix. La poussière, il y en a partout. Tout le temps. Oui, c'est bien ce que je pensais. Dès que je vous ai vu, j'ai su que vous vous y connaissiez en énigme. Tapis à franges. Ma foi, je pense que ça ira bien pour le professeur. Ok. Si on tourne à l'entrée de la ville, est-ce qu'il y a quelque chose? Non, toujours. La voiture est toujours là. C'est quand même une bonne chose. On va passer à l'ouest du village.
Ah ! C'était quoi, au juste, ce bruit ? Je n'en peux plus ! Que quelqu'un arrête ce bruit horrible, par pitié ! Un problème, monsieur ? C'est moi que tu appelles monsieur ? Je suis encore très jeune, je te signale. Bah, oublie ça. Je suis furieux ! C'est ce bruit ! Cet horrible vacarme ! Je ne peux pas fermer l'œil de la nuit ! Avant, cela ne se produisait qu'une fois de temps en temps. Mais depuis quelque temps, ce vacarme provenant de la tour est presque constant. Comment je fais pour dormir ? M'entends ? Saleté de tour ! Comment je fais pour dormir ? Calmez-vous, monsieur. Savez-vous ce qui cause ce bruit assourdissant ? Ah, tiens, maintenant que vous me le demandez, j'avoue que je n'en ai pas la moindre idée. J'ai entendu dire que c'était le rugissement d'un énorme monstre qui vivait dans la tour. Ce bruit viendrait donc de la tour. Très bien. Ce monsieur est toujours un poil énervé quand même. Vraiment sur les nerfs. Et cette petite fille se moque toujours de lui. Parce qu'ils ont des énigmes à nous proposer. On va se faire mal aux oreilles. Hein. Cette fois, je n'en peux plus! C'en est trop! Voilà le moment où la cocotte explose! Pourquoi suis-je énervé? C'est à cause de cette fichue énigme! J'essaye de trouver la solution depuis hier matin et je n'y arrive pas! Je suis malade et pour combler le tout, je n'endors plus la nuit! Espèce d'énigme à la noix! Vous voulez essayer peut-être? Oui. On peut faire quelque chose pour vous, on va essayer. Histoire de gélule. Vous devriez peut-être en prendre. Allons-y. Cet homme s'est fait prescrire 10 gélules. À compter d'aujourd'hui, il doit prendre une gélule par jour. Mais dans un ordre bien précis. Étant donné que les gélules se ressemblent toutes, il a décidé d'inscrire un numéro sur chacune d'entre elles pour se rappeler de l'ordre exact. Combien de gélules devra-t-il numéroter au minimum ? Alors, il s'est fait prescrire 10 gélules. À compter d'aujourd'hui, il doit prendre une gélule par jour, mais dans un ordre bien précis. Étant donné que les gélules se ressemblent toutes, donc on en a combien ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eh bien, on va pas numéroter celle qu'il va prendre aujourd'hui, s'il la prend. Et on va pas numéroter la dernière, parce qu'il n'en restera qu'une. Donc, je dirais 8. C'est basiquement, je dirais 8, on va voir ça. Luke, here's my answer. Ça, correct. Critical thinking is the key to success. Bonne réponse. Il doit avant tout prendre sa première gélule et n'a donc plus besoin de la numéroter. Ensuite, il devra numéroter les gélules de 2 à 9. La dernière gélule n'a pas besoin d'être numérotée car elle sera la seule sans numéro. Il n'est donc nécessaire de numéroter que 8 gélules. C'est ça. Mais, ça va pas à la tête ? Moi qui étais tout prêt de trouver la solution tout seul, j'avais tout gâché. Ah, le culot ! Enfin, ça c'est fait. Je peux enfin dormir tranquille. Donc je devrais vous remercier. Je sais que vous avez du pain sur la planche, en tout cas. Alors, bonne chance ! Nouvelle petite bricole. Très étrange quand même ce monsieur. Très étrange. Ce type est tellement énervé qu'il est rouge comme une tomate. Il a vraiment l'air débile. Toujours en train d'être méchante, à ce que je vois. Alors, la porte ici, je pense que c'est là qu'on avait loupé l'énigme 23 la dernière fois, parce qu'on n'était pas rentré ici. On va trouver quelques petites pièces SOS cachées. Voilà, une deuxième, très bien. Dans les lustres, non. Alors, allons voir le barman. Bonjour messieurs, vous avez l'air de chercher quelque chose. On nous a fait venir dans ce village pour trouver un trésor. Nous sommes venus de Londres exprès. Mais notre enquête n'avance pas du tout. On sollicite notre aide pour tout, sauf pour ça. Désolé de l'apprendre.
Pourquoi ne pas se laisser tenter par une petite énigme pour se détendre? J'ai vraiment du mal à tout gérer ici. Vous pourriez m'aider à résoudre ce petit problème. J'ai besoin d'une quantité précise de lait, mais mon verre doseur a disparu. Pensez-vous que je puisse faire mes mesures autrement? Problème lacté. Vous disposez de 3 récipients. Le premier contient 10 litres de lait. Les 2 autres sont vides et peuvent contenir respectivement jusqu'à 7 et 3 litres. Ces récipients ne sont pas gradués. Votre but est de diviser en 2 les 10 litres de lait de manière exacte. Vous devez vous retrouver avec 5 litres dans le récipient de 10 litres et 5 autres litres dans le récipient de 7 litres. Ok, donc c'est le même principe que pour l'autre, je pense. Donc on a dit 5 et 5. Donc 3. Est-ce que c'est le même principe que pour l'autre? Oui, mais j'ai pas fait une chose. 3. Si je mets là, il m'en reste 4. Il m'en reste 4. Là. Ah bah non. Ah ah. De toute façon, on va y arriver au bout d'un moment. En combien de temps? Ça c'est plus compliqué. Alors là, j'ai 4. C'est 3. Voyons voir. Ok, on y arrive. 2. Hop, et 3 et 2. I think I've got it. 20 coups, bon. C'est raisonnable, je pense. Beau travail, avec suffisamment de persévérance, vous finissez forcément par y arriver. Toutefois, la solution la plus courte requiert 9 opérations. Ok. Merci bien, je peux enfin préparer mes quiches. Je dois bien pouvoir faire quelque chose pour vous. Je sais, pour vous remercier, vous pouvez venir manger dans ce restaurant quand vous voulez. C'est la maison qui régale. Oh bah c'est gentil. Une nouvelle petite bricole. On va voir ce monsieur qui prend son petit café. Je sens que vous aimez les énigmes. Cela se voit à la manière dont vous observez ces pièces. En tout cas, vous devez avoir du flair, parce qu'elles contiennent justement une énigme. Regardez. Bien sûr, nous l'avons vu au premier coup d'œil, voyons. Triangle équilatéral. Bon, ça ne sort rien de bon. 10 pièces sont arrangées afin de former un triangle équilatéral, comme sur la figure ci-dessous. Le triangle pointe vers le haut. Êtes-vous capable de le faire pointer vers le bas en ne déplaçant que 3 pièces? Déplacez les pièces en faisant glisser le stylet. Alors, position vous convient, touchez la ligne. Ok. 3 pièces. Faire aller vers le bas.
Ah, comme ça. Comme ça, on est pas mal. Et même plutôt bien. Hop. Voilà. There we go. Correct. Critical thinking is the key to success. Bonne réponse. En déplaçant quelques pièces, il est possible de modifier complètement l'apparence d'une figure. Ici, il faut porter son attention sur les sommets du triangle d'origine. Le reste coule de source. Tout à fait. Ok. C'est bien ce que je pensais. Vous êtes de vrais professionnels des énigmes. Et une nouvelle petite bricole. Beaucoup de gens ici adorent les énigmes, mais ils ne sont pas tous aussi serviables que moi. Faites attention à vous. Merci Boris. Salut, c'est Boris. Est-ce que c'était Boris avec les soirées disco? Ok. La porte là est fermée. Est-ce qu'on a quelque chose par ici? Ouverture 10h-17h. Ok. Donc on va pouvoir aller voir Max. Alors on va déjà voir Percy, me semble. Ensuite, on va parler à Max. J'ai entendu dire qu'un meurtre avait eu lieu au manoir Reinhold. Est-ce bien vrai? Un meurtre dans notre petit village? Rien que d'y penser, j'en ai la chair de poule. Mais tout cela fera une excellente base pour mon prochain roman. Oh, pardonnez mon insensibilité. C'est juste qu'un écrivain se doit d'être toujours à la recherche de nouvelles idées. Vous vouliez me demander quelque chose? Nous cherchons Ramon. L'avez-vous vu par ici? Non. Je ne crois pas l'avoir vu aujourd'hui. Si vous ne le trouvez nulle part dans le village, c'est qu'il est soit dans le parc, soit dans la tour. Oui, dans un endroit où les villageois ne vont jamais en temps normal. La tour, vous dites? Oh, évitez de vous en approcher, avec tout ce qu'on raconte à son sujet. Oui. Oui, on nous l'a dit assez souvent. Mais quelles sont les rumeurs, au juste? Rien de bon, en tout cas. En tout cas, elle a vraiment quelque chose d'effrayant. Oh là 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 là. Qu'est-ce qui se passe dans cette tour? Eh bien, allons voir Max, qui nous bloque le passage. Bonjour, vous avez déjà résolu pas mal d'énigmes, on dirait. Vous ne pouvez franchir cette porte que si vous avez résolu 12 énigmes. 12 énigmes, voyons. Nous en sommes bien plus que ça. Ah tiens, on dirait que c'est chose faite. Bon, très bien. Disons que je ne vous ai pas tout dit. Si vous voulez vraiment passer, vous devrez résoudre mon énigme. Comme par hasard. Enfin, on va faire avec. Hein. Drôle de point. Les dés ci-dessous ont l'air bien étranges. Mais en y regardant de plus près, on dirait qu'une certaine logique entre en jeu. Voici ce que vous savez. A égale 0, B égale 9, C égale 6. À quoi D peut-il bien correspondre? Ok, donc je pense que c'est les heures de... comme si on était sur une horloge. Donc B 9h, C 6h, donc il y aurait D 3h. Serait-ce aussi évident? Voyons voir. There we go. Eh oui. Correct. Critical thinking is the key to success.
Bonne réponse, les points représentent les aiguilles d'une montre ou d'une horloge. Bien joué. Vous pouvez passer. Vous l'avez bien mérité. Au fait, vous cherchez toujours cet épouvantable chat ? Non, nous cherchons à présent un employé de la famille Reinhold, un certain Ramon. Vous ne l'auriez pas vu par hasard. Ramon ! Ramon et Ramon et Ramon et... Pardon. Oui, je crois bien l'avoir vu. Mais où ? Vous devriez demander à quelqu'un d'autre. Posez la question à Lucie, sous la tour de l'horloge. Et une autre petite bricole. Lucie sous la tour de l'horloge. Nous pouvons enfin aller voir ce qui se cache derrière la tour de l'horloge. Je suis impatient. Je me demande ce qui nous attend au nord du village. Ben écoutez, je pense que pour ce troisième épisode, on va s'arrêter là. On est rentré dans la tour de l'horloge. On a un magnifique chat qui joue avec une souris. On a la petite Lucie qui est là pour nous attendre. On continuera donc l'aventure lettonne plus tard. On n'a toujours pas résolu le meurtre de Rupert. Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Alors on avance, hein, doucement, mais on avance. On a vu quand même pas mal d'énigmes aujourd'hui, c'est pas mal. Mais on n'a pas résolu le meurtre de Rupert. Nous avons la baronne qui est en fait qui n'est pas la mère de la fille que l'on voit sur le tableau des Reinhold. Donc c'est sa belle-mère, mais elle nous a même pas dit que l'enfant sur la photo en fait c'était sa belle-fille, c'est quand même un peu bizarre, elle aurait pu nous le dire. Très étrange. Et Ramon, et Ramon, et Ramon, et qui a disparu. Mais où es-tu, Ramon ? Je veux te retrouver, Ramon ! Nous avons des questions à te poser. Comme d'habitude, on n'oublie pas de sauvegarder. Il est très intéressant. Et on ira voir les petites bricoles, on ira voir ça la prochaine fois également. Ok, très bien. Eh ben, je vous dis à bientôt, à une prochaine. Portez-vous bien. Prenez soin de vos méninges. Ciao !